on est dans une BM 3 litres CSI de 1975, boîte automatique. Son profil, elle a un dessin de profil qui à mes yeux est extraordinaire. Alors équipée intérieur cuir bleu d'origine et puis boiserie sur le tableau de bord, cuir sur les accessoires, etc. ou simili-cuir, boîte auto, vitre électrique, allume-cigare quand même, parce qu'à l'époque, en 75, nos pères fumaient en voiture, chacun s'en rappelle, et puis sinon, voilà, le volant, volant BM, grand volant BM, c'est vraiment toute la splendeur des années 70. Cette voiture a été restaurée moteur-boîte, ils ont chacun 15 000 km et ensuite elle a été parquée pendant 18 ans dans un sous-sol, ce qui fait que même le dessous de la voiture n'a pas de rouille, n'a pas de corrosion, rien du tout, et on a refait une peinture complète aux couleurs d'origine. Voilà. Et sur l'intérieur, ce qu'il faut spécifier également, c'est ces chromes au-dessus des vitres, qui à mes yeux aussi est une chose assez fantastique sur des voitures de 75. On peut rouler par tout temps. Sur le verglas, il faut faire attention quand même parce que c'est une propulsion. Ça fait quand même partie des voitures modernes, de ces débuts de la modernisation de la voiture. Bah écoute, pour moi c'est une super sensation parce qu'il n'y a pas d'aide au pilotage, quoi. Il n'y a pas d'aide à la conduite. Donc si on veut faire un travers, on fait un travers. Si on veut glisser, on glisse. C'est la conduite des années 70, quoi.